Bonsoir les amis, je voulais vous faire voir quelque chose que j'ai découvert dans le jardin. Voilà, ce petit hérisson, on l'a trouvé, vu, grâce à une vidéo qui a été, une caméra vidéo, je veux dire, qui a été installée dans le jardin. Donc vous voyez, il fouine. Et avec son petit museau, il fait des trous dans la terre pour pouvoir chercher des invertébrés comme les vers, les loches et tout le reste. Des petits insectes à manger. C'est vraiment merveilleux de voir dans le jardin. Bon là, il a quitté le champ visuel de la caméra, mais il n'est pas le seul dans ce jardin à venir nous voir. Il y a d'autres espèces à quatre pattes. Et oui, nous avons aussi des chats. Alors celui-là, ou plutôt celle-là, je dirais. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas. Noire, avec un petit bout de langue qui pendouille. Donc c'est pour ça que mes croquettes disparaissaient bien vite. Elle fait partie des visiteurs du jardin aussi. On est bien, hein? Elle est bien alors, hein? Elle va y rester un moment. Oui, pourquoi? Pourquoi partir? Parce que je suis si bien ici. Oh oui. Voilà. Je suis toujours là. Bon, on voit les gamelles. Bon, on voit bien que les coups des soucoupes, ça marche pas trop parce que elle a trouvé le coup. Donc, on va faire un autre abri avec un tunnel pour que le hérisson puisse aller manger. Et pas les chats. Elle doit manger quelques croquettes qui restent par terre, certainement. Ou un peu dans la gamelle. Je la connais pas, donc je pense que c'est une minette qui doit sortir que le soir, parce que ça me dit rien dans la journée. Et c'est pas la chatte de ma voisine, elle est pas comme ça, elle est pas aussi grassouillette. Je pense qu'elle est grassouillette pour une bonne raison d'ailleurs. Après il y a ceux du jour. Oh! Celui-là on le connaît par contre. Lâchement abandonné, évidemment, comme d'autres d'ailleurs, il fait partie des laissés pour compte. Il a tenu compagnie à un moment à Minette et à Nénette dans le jardin. Mais rassurez-vous, là il cherche à manger, mais il est nourri par deux petites dames plus loin. Donc, vous inquiétez pas, il va pas mourir de faim, celui-là. Non, non, non. Il cherche, hein. Ah, oh, voilà notre minette. Elle cherche. Pourtant, il est assez tôt, hein. Enfin, assez tôt dans la nuit, plutôt. Elle est déjà là. Mais, bon. Elle cherche. C'est pour ça que mes gamelles disparaissaient vite. Je me disais... Bizarre, le hérisson, elle a beaucoup d'appétit, mais à ce point-là, paraissait bizarre.
Après, revoilà notre copain. Disparu, mais vous inquiétez pas, il est pas bien loin. Regardez à droite de l'image. Il va réapparaître. Voyez, ça y est, coucou, leur voilà. Bon, il est grassouillé en tout cas, hein? Il est pas maigre, hein? Et puis la même nuit, on continue le défilé. Ah, revoilà notre minette. Bon, au vu de sa position, de comment elle est, moi je dirais que c'est une petite minette qui attend des petits, ça. Je sais pas qui elle est, je sais pas. Les gens, faites stériliser vos chats, que ce soit mâle ou femelle. Ça évitera d'avoir des chatons qui traînent un peu à droite à gauche dans le village. Et responsabilisez-vous un petit peu. Ça évitera qu'ils soient empoisonnés ou tués ou je ne sais quoi. Faut vraiment prendre vos responsabilités, je veux dire. Et puis, stériliser vos animaux, identifiez-les aussi. Ça éviterait la prolifération dans les villages et puis que on en arrive à des extrémités, quoi. La pauvre, elle attend. Bah, y a rien, bah oui. Ah, voilà notre copain. Bon, coucou, salut, il nous dit bonsoir. Bon vu, c'est un jeune. Les piquants sont pas encore bien grands. Il a des taches blanches. Ça fait une espèce de petit duvet autour. C'est un jeune. Mais bon, j'ai ma vague idée où il est, où il se cache. Voilà, donc je voulais vous faire voir un petit peu en direct des images que j'ai récupérées de la caméra. Merci ma voisine qui a gentiment mis cette caméra-là. Comme ça, j'ai pu voir le petit hérisson dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Eh ben, je vous dis à plus tard, les jardiniers. Prenez soin de vous, protégez-vous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne nuit les jardiniers. Ciao, ciao.